15 verbes en allemand qui sont toujours suivis du datif. C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne, j'aide les francophones à apprendre l'allemand tout en s'amusant. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 15 verbes fréquents, très fréquents, que tu retrouves très souvent dans la langue allemande et qui sont toujours suivis de... Du datif. Tu sais qu'en allemand, il y a le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif, mais qu'on n'utilise quasiment plus, mais quand même un petit peu de temps en temps. Si tu n'as aucune notion là-dessus, bah, je t'invite à aller plutôt voir la vidéo sur ma chaîne YouTube où je te parle des tableaux de déclinaison. Il y a plusieurs vidéos, tu les retrouveras dans la playlist grammaire allemande où tu tapes simplement sur YouTube tableau de déclinaison allemand, tu vas tomber là-dessus. Il y a plusieurs vidéos où je t'explique un peu tout ça. Voilà, pour y voir plus clair, donc là je vais pas détailler ce que c'est que le datif, même si on va en parler, on va voir ces 15 verbes qui sont des verbes très fréquents, des verbes intéressants à connaître. J'ai déjà fait une vidéo un peu plus tôt dans sur ma chaîne YouTube où je te parlais de verbes qui sont toujours suivis de l'accusatif. Je t'invite également à aller voir cette vidéo, je te la mettrai en lien là-dessus. Elle est assez intéressante à voir parce que ça te permet aussi d'avoir vraiment la vue complète. Il y a des verbes qui sont toujours suivis de l'accusatif, d'autres verbes qui sont toujours suivis du datif, et ça permet vraiment d'avoir des repères et de pouvoir avancer. La même pédagogie que dans la première vidéo sur l'accusatif, le principe de cette vidéo n'est pas d'apprendre par cœur des verbes et de dire tadana, ça va avec le datif, ça s'arrange, oh mais j'arrive jamais à retenir si c'est datif et accusatif. Évidemment, t'arrives jamais à retenir si t'essayes de mettre dans des cases des trucs secs comme ça, ça parle à personne. Donc il faut que tu rendes les choses concrètes, et c'est ce qu'on va faire avec cette vidéo, mais c'est ce que je t'invite aussi à faire toi-même, parce que si tu veux apprendre, la bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir te mettre à bouger un petit peu, hein. Ça suffit pas de regarder juste mes vidéos, mais il faut aussi t'entraîner et passer à l'action. Donc je vais t'inviter vraiment tout au long de la vidéo à noter ces verbes, noter particulièrement les verbes que tu ne connaissais pas, et à essayer ensuite de faire des phrases avec des petites phrases. Donc je vais t'en proposer plusieurs au fil de la vidéo, et je vais t'inviter vraiment à le faire toi aussi, parce que en fait c'est ça, c'est par la pratique que tu vas retenir. C'est pas juste en disant, voilà, si je prends le premier verbe, danken, en disant ah oui, danken c'est le datif, ok, il faut que je retienne danken, datif. Moi non plus, j'arriverai pas à retenir. Ce qu'il faut, c'est essayer de te faire des petites phrases, des choses repères que tu vas pouvoir mémoriser et te dire, ah oui, ok, je retiens que danken, ça va avec, par exemple, ich danke dir. Donc la prochaine fois qu'un Allemand me donne quelque chose, je lui dirai ich danke dir. Et donc du coup, tu retiens danken dir, ich danke dir. C'est ça, en fait, qui va t'aider à retenir. Ah, dir, c'est le datif. Ah oui, ich danke dir. Ich danke meiner Mutter, puisque... le di devient der à l'accusatif, au datif, pardon, et donc meine Mutter devient meiner Mutter. C'est ta maman que tu remercies. Ich danke meiner Mutter. Idem avec le verbe folgen. Ich folge dir. Je te suis. Ben d'ailleurs, si tu me folgues pas, ben il serait temps de t'abonner à ma chaîne et de me folgen, donc de me suivre, de t'abonner. Ich folge dir. Folgst du mir? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es abonné à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube, à mon compte Facebook et à les autres réseaux sociaux aussi où je suis présente, comme TikTok, comme aussi Pinterest et comme mon blog? Ah oui, il y a plein de choses à suivre. Alors, est-ce que tu me suis? Folgst du mir? Ja, ich folge dir. Et donc du coup tu retiens avec dir que c'est bien le datif, puisque dir c'est forcément le datif. Idem glauben. Ich glaube dir. Ich glaube dir. Je te crois, d'accord. Ich glaube dir zu. Je te crois que ce que tu me dis c'est vrai. Ich glaube dir. Attention, si tu as vu la vidéo précédente, tu as vu qu'on avait parlé de glauben an. Là, c'est croire à quelqu'un, et là, c'est suivi de l'accusatif. Ich glaube an dich, c'est-à-dire je crois en toi, tu vas y arriver. Ich glaube an dich, aber ich glaube dir. Voilà. Donc c'est pour ça que là, tu te dis, oh, attends, mais glauben, c'était du coup accusatif ou datif, ah, j'arrive pas à retenir. Et bah tu retiens ces petites phrases. Ich glaube dir, ich glaube an dich. Voilà, tu retiens ça, et tu te les mémorises, tu te les redis rapidement, fréquemment, et c'est comme ça aussi, tu les utilises surtout, c'est comme ça que tu vas les mémoriser. Gratulieren, ich gratuliere dir zum Geburtstag. Je te félicite, enfin, oui, pour ton anniversaire, mais en allemand, c'est comme ça qu'on dit. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich gratuliere dir zur Prüfung. Ich gratuliere dir.
Gratulieren dir. Donc, essaye le prochain anniversaire de le dire en allemand et de retenir bien gratulieren dir. Helfen. Ich helfe dir. Kann ich dir helfen? Est-ce que je peux t'aider? Kann ich dir helfen? Ich helfe dir. Hilfst du mir? Alors, essaye de retenir une de ces petites phrases pour que ça se connecte et que même si une fois tu dois l'utiliser dans un autre contexte, tu te rappelles, ah oui, helfen mir, oui, donc c'est datif, donc ich helfe meiner Mutter, ich helfe meinem Vater, j'aide mon père, meinem au datif. Vertrauen, vertrauen, c'est un peu comme glauben, hein, c'est faire confiance, glauben plutôt croire, ich vertraue dir, ich vertraue dir, donc je te fais confiance. Zuhören, ich höre dir zu. Hörst du mir zu? Ja? Hörst du zu? Hörst du mir zu? Est-ce que tu m'écoutes bien? Maintenant, les verbes qui sont avec des prépositions. An etwas arbeiten. Ich arbeite an meiner Prüfung. Je suis en train de travailler pour mon examen. Oder ich arbeite an meinem Haus. Je suis en train de travailler autour de ma maison pour que ça avance. Donc c'est an plus le datif. Parce que an, attention, fait partie de ces prépositions changeantes qui parfois sont suivies de l'accusatif ou du datif. Mais avec arbeiten, c'est toujours le datif. An etwas arbeiten. An etwas leiden. Souffrir de quelque chose. Ich leide an einer Krankheit. Je souffre d'une maladie, die Krankheit, mais au datif du coup, puisque leiden an einer Krankheit. Encore une fois, hein, si vraiment tu souffres d'une maladie et que tu dis, tu te trompes et que tu oublies einer, mais que tu dis eine, je pense que les Allemands vont quand même compatir à ta maladie plutôt que de te dire « Ah non, attention, tu t'es trompé, c'était le datif !» Donc voilà, on déstresse quand même avec tout ça. L'idée, c'est de poser un peu des jalons et des repères. An etwas teilnehmen, participer à quelque chose. An etwas teilnehmen. Ich nehme an der Party teil. Ich nehme daran teil. Je participe à la fête, an der Party, alors que c'est die Party, mais datif, ça sera an der Party. Auf etwas beruhen. Beruhen, auf etwas beruhen, c'est-à-dire reposer sur quelque chose. Es beruht auf deinem Vertrauen, ça repose sur ta confiance, dein Vertrauen, tu sais que tous les noms qui viennent d'un verbe, Vertrauen c'est faire confiance, et donc das Vertrauen c'est le fait de faire confiance, et donc tous les noms qui viennent d'un verbe sont toujours neutres, donc c'est toujours das Vertrauen, das Gehen, das Essen, das, dès que tu substantifies en fait un verbe, c'est toujours das, ça c'est le petit repère. Donc es beruht auf dem Vertrauen, auf deinem Vertrauen. Le grand avantage, quand même, il faut dire, avec le datif, mais juste une petite excuse là-dessus, c'est que, peu importe que ce soit masculin ou neutre, avec le datif, c'est toujours dem. Donc c'est quand même vachement pratique. Ensuite, in etwas bestehen. Es besteht in etwas. Donc ça, c'est composé de quelque chose. Bon, c'est pas le verbe le plus connu, mais en tout cas, il est suivi, ou le plus utilisé, mais suivi du datif. Vor etwas schreien. Ich schreie vor Angst, vor der Angst. Toujours avec le datif. Donc, crier de quelque chose, parce qu'on a tellement peur qu'on en crie. Vor etwas sterben. Bon, là, on n'a pas forcément tout de suite le datif derrière, donc on l'entend pas forcément. Vor etwas sterben, mourir de quelque chose, mourir de peur, en fait. Hein. Vor Angst sterben, ich sterbe vor Angst. On n'entend pas ici le datif, mais en tout cas, il est bien là. Vor jemandem Angst haben. Donc, avoir peur de quelque chose. Vor jemandem Angst haben. On voit bien ici que c'est le datif. Donc, avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, évidemment, à la place de jemandem, on pourrait mettre etwas. Hein, ça marcherait aussi. Vor etwas Angst haben. Ich habe vor... Vor der Nacht Angst. J'ai peur de la nuit. C'est bien die Nacht. Ich habe vor der Nacht Angst. Donc j'ai peur de la nuit. Donc avec un
datif. Bon, je reconnais, les derniers verbes sont peut-être moins fréquents. Vous avez vu, en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'était surtout les premiers, les verbes les plus fréquents à connaître et qui sont donc suivis du datif. Maintenant, pour que tout ça devienne un peu concret, je t'invite vraiment à prendre trois verbes parmi ceux que j'ai cités dans la vidéo, ceux que tu as peut-être notés sur ton petit carnet, à essayer de faire trois phrases avec chacun de ces verbes pour t'entraîner, des petites phrases tout simples. Vertraue dir, ich gratuliere dir, pour te les mémoriser, reprends les demain pour t'entraîner encore avec, reprends les toute cette semaine, essaie de faire de nouvelles phrases avec les nouveaux verbes, et puis pense aussi à aller voir la vidéo sur les verbes toujours suivis de l'accusatif pour compléter aussi tes connaissances sur l'accusatif et le datif. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je me réjouis de te lire. Allez, à très bientôt, tchuss!